here we go again. Trying hard, but you wanna be my friend. Ain't no place to hide. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter ma routine avant séance. Nous allons donc commencer par le pansage avec la Magic Brush qui est clairement mon indispensable et l'indispensable de nombreux cavaliers. En période de printemps et de mue, j'enlève donc au préalable les poils sur ma brosse et je vais ensuite passer cette brosse-ci sur tout le corps de ma jument en la passant bien entendu beaucoup plus délicatement sur la tête et sur les membres. Deuxième étape de ce pansage de printemps et même de tout le temps tout simplement avec mon bouchon de la marque Borstik que vous pouvez retrouver sur Olala Sellerie. D'ailleurs un petit code promo est glissé dans la barre d'infos. J'aime beaucoup ce bouchon tout simplement parce qu'il a une forme très anatomique et des poils assez durs, ce qui enlève très bien la poussière. Donc du coup je vais passer le bouchon sur tout le corps également de Hermione. Je vais donc ensuite appliquer du démêlant sur le toupet, la crinière et la queue de ma jument. Donc celui-ci vient de chez Kramer, c'est le saveur miel. Il sent déjà super bon, il est très agréable à appliquer. Vous n'avez pas besoin de le laisser poser très longtemps. En général, je passe un petit coup de brosse douce en attendant que le démêlant fasse effet, ce que je vais faire juste après dans la vidéo. Et ensuite, je démêle les crins. Les démêlants de chez Kramer sont vraiment plutôt pas mal, ça fait déjà le troisième flacon que j'utilise et j'avoue que je les apprécie beaucoup. Thank you.
Après avoir bien démêlé la crinière et la queue de ma jument, je vais ensuite lui curer les pieds avec mon cure-pied qui vient de chez Pénélope, avec la balle. D'ailleurs, ça vous intrigue beaucoup, ce cure-pied-balle, dans toutes mes vidéos où je fais le pansage. Et je vais également lui hydrater les pieds avec une huile de chez Excel. D'ailleurs, j'ai bientôt terminé le pot, c'est pour ça que j'utilise un autre pinceau pour bien racler le fond. Et j'avoue que j'ai fortement apprécié ce produit pour un premier test. Après un gros moment bisous, câlins et tendresse, je vais ensuite sceller Hermione. Je commence donc par lui mettre ses protections de dressage. Celles-ci viennent de chez Kramer. Après avoir donc mis les protections, je vais la sceller. Donc pour les petits curieux, mon tapis est un velvet moutarde de chez Kentucky que j'ai chopé sur la sellerie et qui traîne. Ma selle est une Tecna et c'est ma selle de débourrage pour l'instant parce que je n'ai pas encore reçu ma selle d'obstacle pour Hermione qui est en commande. Mes étriers sont des free jump et ma sangle est une Time Rider que j'ai payé pas du tout cher et qui pour le débourrage convient très bien et qui avec la moumoute évite toute blessure éventuelle. Je vais ensuite m'équiper une fois Hermione scellée et avant de lui mettre le filet. Donc mes bottes sont des Ferro di Caballo, pareil, qui coûtent pas cher du tout et qui font super bien leur taf. C'est la deuxième paire que je rachète, exactement le même modèle, et pour le prix j'en suis super satisfaite. Je mets également mon gilet airbag de la marque Hit Air. Ma bombe, c'est toujours la même, c'est une Antares qui a des années. Je mets celle-ci tout simplement parce que Hermione est un peu bécasse en ce moment et je ne voudrais pas abîmer ma nouvelle bombe, ma Sam Shield, tout simplement. Pour ma tenue, mon pull c'est un super dry et mon pantalon c'est un Kramer que j'aime énormément et que je vous avais présenté d'ailleurs dans une vidéo il y a quelques mois. Je mets ensuite le filet à Hermione et comme vous pouvez le voir pour le filet, Hermione est vraiment genre adorable. Elle ouvre la bouche toute seule, hormis qu'elle a un petit peu la bougeotte le temps que j'attache la muserolle et la sous-gorge. Vous étiez beaucoup à me poser des questions d'ailleurs sur ce filet. Alors, je vais vous expliquer en vidéo parce que ça sera vachement plus simple. C'est un filet que j'ai fait avec des pièces détachées. Les seuls morceaux du filet dont je peux vous dire la provenance, c'est la muserolle qui est une SD Design que vous pouvez retrouver sur la sellerie et qui traîne. D'ailleurs, code promo dans la barre d'infos. Et le frontal est un Sapristouche. Et il y a également le code promo dans la barre d'information. Voilà, comme ça je fais une réponse globale. Et c'est fait. Voilà, en tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu et à très très bientôt pour ma routine après séance. Bye bye !